they thought they knew the worth of my life. Until I told them my price. I run circles round these pagans, I don't need approval or likes. And I'm better off when I fight, I'm taking all of what's mine. They never saw that I shine, and now I'm like the sun when I rise. From the east to the west, I bring peace, no stress. Technique, we progress, you know that I got the finesse. Look at my circle, I'm keeping it blessed. We got the heat, never coming with less. 100 degrees and I'm feeling my best. Rise from the east to the west, I bring peace, no stress. Technique, we progress, you know that I got the finesse. Look at my circle, I'm keeping it blessed. We got the heat, never coming with less. 100 degrees and I'm feeling my best. I feel the fire in my veins, see it rising like the planes. Make a break or take it higher, trying to fly me up to space. I feel it in my veins, see it rising like the planes. Make a break or take it higher, trying to fly me up to space. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'accoutumé de me voir parler uniquement du mixage mastering et de présenter les effets entre guillemets, mais qu'à cela n'était plus, les anciens savent également que je me bats dans la composition. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo vraiment spéciale dans ce sens où je compose et j'ai eu à introduire un a cappella que j'ai téléchargé sur un site d'ailleurs que je vais taire le nom dans cette vidéo pour la simple raison que quoi, personne ne me paye pour faire la promotion d'un produit ou quoi que ce soit. Bref, le site met à notre disposition des voix, des a cappella à usage non commercial. Ce sont des artistes qui posent et ils injectent cela sur cette plateforme. Lorsque je composais cet instru, je ne vais pas vous mentir que je me disais qu'aucun artiste vraiment ne va poser. Mais après 2 heures de recherche et autres, je suis tombé sur la bonne voix qui a bien matché avec cet instrumental et je ne vais pas vous mentir que je suis satisfait du résultat escompté. Mais qu'à cela ne tient, il est important de vous montrer comment est-ce que je me suis pris. Et je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas vraiment la composition qui a donné, c'est pas la composition qui fait la particularité de cette production, c'est le mixage et les effets, les techniques que j'ai dû employer pour avoir un résultat sonore vraiment agréable. Donc, un son design, si je peux le dire ainsi, avec des manipulations, des effets de pas et d'eau. Mais quand cela était important pour moi de vous montrer d'abord comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu sonore, je vais d'abord commencer par, le piano que voici. Que voici ici. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai copié. Nous allons copier. Comme ceci. Moi particulièrement, j'ai perdu le preset parce que j'ai utilisé un preset de chez Analog. Je l'ai perdu. J'ai d'abord eu à faire ces arpèges et ça donne ceci. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête avec cela. Je vais le supprimer étant donné que là présentement le CPU vraiment en demande travaille trop. Je vais le supprimer. Dès que j'ai eu à faire cela, j'ai placé directement mes accords qui donnent ceci. Tout se passe sur ma colonne de mixage, bien évidemment. Voici mon piano et sur ce piano, je l'ai envoyé complètement dans cette zone-ci parce que j'avais oublié de sampler une fois de plus. Et après avoir fait cela, j'ai eu à me retourner dans d'autres compositions. J'ai cette mélodie qui donne ceci. Très simple également. Après, nous avons ceci. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Dès que j'ai eu à rassembler tous mes accords, hormis FX, étant donné que j'ai perdu le sample en question, en fait, c'est une belle lead, si je peux dire ainsi. Désolé pour la prononciation. Voici ce que j'ai eu à faire. J'ai rendu toutes mes mélodies sous forme de sample, entre guillemets. Dès que j'ai rendu ces mélodies sous forme de sample, après, sur une partie de ma musique, entre guillemets, j'ai renversé ce même sample. Et comme vous avez constaté, il y a les automations de pas et d'autres. À un certain niveau, j'ai ajouté un effet sur ma table de mixage, le Sound Pitcher, que voici ici, qui s'en va d'une
note à une autre, si je peux le dire ainsi, d'une note à une autre, bien évidemment. C'est comme si j'ai déplacé mes accords. Je vais vous montrer cela ici. Je suppose que là, je suis à A. Et quand j'utilise mon pitcher, je fais Alt flèche. Je fais ceci, je monte comme ça. Là, c'est comme ça que j'ai procédé avec l'effet que j'ai utilisé, bien évidemment, en faisant de l'automation. Et ensuite de cela, qu'est-ce que j'ai ajouté comme effet? J'ai la manière dont je coupe mon égaliseur. J'ai ajouté de la reverb. J'ai ajouté de hyper chorus. J'ai ajouté du kiske pour créer du mouvement. Et après, j'ai terminé avec cet effet, comme je l'ai dit, le pitcher, qui me permet d'aller d'une octave à une autre, bien évidemment, en fonction du couplet, pour que ça ne soit vraiment pas trop répétitif. Nous allons écouter d'abord la partie mélodie. Je vais activer toutes mes automations que j'ai eu à faire. Je vais activer également mon piano et ça donne ceci. Je vais activer également mon piano et ça donne ceci. À un certain niveau, là vous avez vu, j'ai inversé, j'ai mis reverse là-dedans. En fait, ça c'est normal, j'ai reversé au deuxième couplet et au deuxième refrain. Ça c'est l'une des choses que j'ai eu à faire en ce qui concerne vraiment mes mélodies. Je vais désactiver sur mon bus master pour que nous ayons au moins une bonne écoute, pour que ça ne dégrade pas vraiment, parce que je voulais vous écouter avec un plus léger mastering que j'ai eu à faire. Maintenant, nous allons partir directement sur la batterie. Nous avons notre premier 808 qui donne ceci. Après cela, nous avons une autre 808. Nous avons cela et après nous avons notre snare. Très simple également. Et après cela, qu'est-ce que nous avons? Les open hats, cet instru. Nous avons notre open hat, hi-hat. Notre kick. Nous avons encore notre kick. Très simple, je me suis vraiment pas compliqué la tasse. Et après, il y a cette fameuse voix auquel j'ai fait un petit mixage dessus. Sur ma voix en question, j'ai ajouté de l'autotune, un reverb, une égalisation, un DSR, un EQ, une stéréo et un sub pour essayer de diminuer un peu les similances. Je n'ai vraiment pas trop compressé pour la voix. J'avais l'impression que la voix en question était déjà trop travaillée. Ça ne servait vraiment à rien d'ajouter trop d'effets. Nous allons écouter le rendu final. Je vais juste rester avec le standard clip, le limiteur, l'égaliseur pour qu'au moins si vous ayez une très bonne écoute par rapport à cela. Dans le reste, nous allons laisser ainsi, étant donné que la machine, le truc sature trop. Nous allons écouter tout l'ensemble. Et pour ceux-là qui voient comment ma table défi, il est vraiment très simple à faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous venez ici, vous faites un clic droit. Normalement, quand vous venez cliquer ici, il est désactivé, vous l'activez et après vous cliquez sur la flèche. Et ça donne ceci. They thought they knew the worth of my life until I told them my price. I run circles around these pagans, I don't need approval or likes. And I'm better off when I fight, I'm taking all of what's mine. They never saw that I shine and now I'm like the sun when I rise. From the east to the west, I bring peace, no stress. Technique, we progress, you know that I got the finesse. Look at my circle, I'm keeping it blessed. We got the heat, never coming with less. 100 degrees and I'm feeling my best. Rise from the east to the west, I bring peace. No stress, technique, we progress. You know that I got the finesse. Look at my circle, I'm keeping it blessed. We got the heat, never coming with less. 100 degrees and I'm feeling my best.
trying to fly me up to space. I feel it in my veins, see it rising like the planes. Make a break, I take it higher, trying to fly me up to space. Vous avez écouté cette composition, ma manière de m'y prendre. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne prod, mais qu'à cela ne tienne, j'attends vos commentaires dans l'espace commentaire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.